Qui sera le plus drôle aujourd'hui? Papa, tu vois pas qu'on tourne une vidéo là? Ça, c'est ce qui va se passer durant toute la vidéo. On va assister à des scènes de comédie, mais malheureusement, le comédien a oublié sa dernière phrase. Et ça va être à nous de trouver la phrase la plus drôle. Vous l'avez compris, on va avoir des scènes jouées devant nous, mais il va manquer la fin de la phrase. On va tous devoir inventer la phrase, et surtout être le plus drôle. 3, 2, 1... Là, on va prendre comme exemple qu'il va lire la première phrase de Timout. Bah, papa, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas qu'on est en train de tourner? J'ai un peu la merde au cul, en fait, depuis tout à l'heure, là. Faut y aller? Oui, oui. Ça introduit très bien. Vous l'avez compris, c'est Use Your Word IRL. Bon les gars, première scène, est-ce que vous êtes prêts ou pas? Non, j'arrête. On peut partir encore? Ah oui, et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, cette vidéo est sponsorisée par la mère de Scoot de Street. Tu sais, c'est le moment où tu sais pas réagir, tu sais, tu sais pas quoi faire. J'aime bien. J'aime déjà le jeu. Partageons un bon repas en famille. Tu peux arrêter avec ton téléphone s'il te plaît? Ça va, je regarde, laisse pas deux secondes au moins, c'est bon. Bon allez, t'arrêtes maintenant. Oh waouh! Ah oui, direct! Ok! Okay. Et donc là, on va créer l'histoire! Ouais. Oh, j'adore, c'est incroyable! Mec, j'adore! En fait, ce que je trouve incroyable, mec, c'est qu'on peut faire dire aux acteurs ce qu'on veut. Attends, je me rappelle plus de ce qu'ils ont dit. En gros, il est vénère parce qu'il lui dit arrête de regarder ton téléphone et lui, il lui répond un truc. Moi, j'ai tellement de trucs qui me viennent en tête! Les gars, on n'a pas beaucoup de temps, on a que 40 secondes encore. Hein. On dirait un gamin. J'adore l'idée. C'est un peu drôle, très très drôle même. Top! Stop! Oh! Hey, il est passé! Oh! Ok, c'est bon les gars. J'ai pas le temps de finir! Vous êtes fiers de votre van ou pas? Bah, ouais, franchement, pas ouf sur celle-là. Moi, j'ai pas eu trop d'inspiration. On va dire qu'on débute plutôt. On débute quoi. Et les gars, de base, dans le jeu, on le fait en ligne et c'est des textes qu'on lit. Mais là, oui, ça va être encore mieux parce que le comédien. C'est l'entend. Voilà, il va dire notre phrase. J'adore le concept. Et c'est joué en direct, c'est incroyable. Ah, j'ai hâte! Et là, donc là, on sait pas c'est qui. Non. Ok, vas-y. Partageons un bon repas en famille. Bon appétit. Tu peux arrêter avec ton téléphone, s'il te plaît? Ouais, deux secondes, là, c'est deux secondes. Ouais. Arrête maintenant. Mais arrête, je regarde Scoot de bite. Ok, Anthony, t'es vraiment une merde. T'es vraiment une merde, en fait. Hein. C'est quoi? Je vais pas voter pour toi. Ça, hey, je vous le dis, 100% sûr, c'est Anthony. Oh, c'est tout rouge. Il est trop content de sa blague. Je vous jure, il est trop content de sa blague. Partageons un bon repas en famille. Bon appétit. Tu peux arrêter avec ton téléphone, s'il te plaît? Ouais, deux secondes. Allez, t'arrêtes maintenant. S'il te plaît, je joue à Dice, qui sponsorise cette vidéo. Dice Dreams, c'est moi. En fait, je t'ai calé une sponsor au cas où. Et si je te dis que tu peux gagner 500€ grâce à Dice Dream? Je joue rarement aux jeux mobiles, mais quand j'ai découvert Dice Dream, j'ai adoré. Et surtout, des beaux graphismes. Et ça, c'est excitant. Univers stratégique tout en s'amusant. C'est pas un jeu qui va vous foutre la haine. Comment tu peux être énervé contre lui? Il est trop mignon. Vous allez pouvoir progresser à travers différents royaumes et par la suite débloquer des récompenses à chaque étape de votre aventure. Votre objectif, il est simple. Étendre votre royaume en attaquant les autres joueurs et en leur volant un maximum de trésors. Parce qu'on est les meilleurs. En lançant des dés, vous gagnez plus de pièces, vous touchez le jackpot, vous attaquez vos adversaires. Hier, j'avais faim et j'avais la flemme de me faire à manger. Mais je décide d'aller voir ce qui me reste dans le frigo. Il n'y avait plus rien à part Dice Dream. Et crois-moi que j'ai bien mangé le jeu. Je vous invite à télécharger Dice Dream, un jeu mobile complètement gratuit. Le lien est en description où vous pouvez directement scanner ce QR code. 2024, le futur ou... L'un d'entre vous va gagner 500€ grâce à un jeu concours. Et si tu veux y participer, c'est super simple. T'as juste à télécharger Dice Dream via le lien en description et uniquement ce lien-là. Je compte sur vous, ça soutient énormément la chaîne. Et dans le jeu, tu dois atteindre le Royaume 5. Personnellement, le Royaume 5, j'y suis arrivé très rapidement. Après, c'est pas une compète. Troisième scène, les gars. Oh, je suis trop excité d'entendre des trucs de fou. Partageons un bon repas en famille. Bon appétit. Tu peux arrêter avec ton téléphone, s'il te plaît? Ouais, deux secondes. C'est... Attends. Hey, arrête maintenant. Mais arrête, je regarde une vidéo de ta mère en train de se fantasmer sur une pieuvre. Qui c'est que... Timout, t'es un bâtard. Même pas moi. T'es un malade. Mais c'est toi. Ok, c'est parti, dernière scène les gars. Partageons un bon repas en famille. Bon appétit. Tu peux arrêter avec ton téléphone, s'il te plaît? Ouais, deux secondes. Attends, deux secondes. Allez, t'arrêtes maintenant. Tu vas commencer par calmer mon petit Bernard là.
Mon petit Bernard. Donc là, on doit voter, c'est ça? Là, on va devoir voter, ouais. Les gars, soyez joueurs, votez vraiment pour le meilleur, donc moi, par exemple. Mais, ok, allez, 3, 2, 1. 1, 2, 2. Ah, bah le gagnant, c'est le 2, c'est qui le 2? Ah, c'est WAM! On est en description! Ok, du coup, c'est toi qui gagne, Raven. Je suis dégoûté. C'est pour ça que t'as abusé, finalement. C'était trop bien, ma vanne. Vous avez vu combien, les gars? Oh, j'ai un point! J'ai quand même voté pour toi. Parce qu'en vrai, j'ai bien rigolé. À partir de maintenant, on l'appelle Scoot de Mythe. C'est le premier qui m'appelle comme ça, il va voir. Mais Anto, dis-nous, quelles sont ces jolies personnes? Eh ben, justement, je vais vous laisser vous présenter, en tout cas, de très bons comédiens. Bah voilà, je m'appelle Damien, je suis comédien, et puis voilà. Vous l'avez vu partout, dans Greg Guillotin, dans Ludovic. Simplement, oh. Et aussi dans ma sponsor Legal Place, avec la vidéo d'Inox Tag. Moi je m'appelle Romain, je suis jeune comédien, Romain Comédie sur TikTok. Suivez-moi, ça me fait plaisir. Bah moi je suis Arthur Pestel, comédien, et spécialisé dans le doublage surtout, voilà. Tu peux nous dire un film ou un truc qu'on connaît tous? Mais il y a trop de trucs, mais mec, sur Wikipédia il est comme ça. Je dois mettre juste un pour qu'on ait une ref. Foot de rue. Oh, oh, t'es mon enfance, mec. Je fais Gabriel dans Foot de rue. Ah mais oui. Il Bigorneau dans La Famille Pirate. Oh là 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 là. C'est dingue. On fait un épisode où il rejoue des phrases. Mais attendez, les gars, on est légende avec nous aujourd'hui là. Trouve un titre à cette image. Comme dans le jeu, c'est pas seulement que des scènes de film. Des fois, il y a des images et on doit trouver un titre à l'image. Oh, l'incrustation de baiser. Elle est éclatée. Ouais, c'est qui a fait le montage? Me dis pas c'est ça qui a fait le montage. Charlie Prod, mec, j'ai pas vu la photo. La photo de Timothée, elle date pas, c'est bien. Les gars, il y a 40 secondes, hein. Quoi? Non, attends. Putain, c'est chaud là, j'avoue, j'ai pas trop inspiré là. Trouve un titre à cette image, ouais, c'est dur. Les gars, il reste 4 secondes. C'est bon. On a rigolé premier degré. Alors si Anto Stavane elle est pourrie la vie de ma mère, je tombe. Après les gars, en fait c'est ça avec le jeu, c'est que c'est compliqué parce que moi ça dépend avec qui je joue. Quand je joue avec ma famille, et vraiment je suis nul parce qu'on n'a pas le même humour. Quand je joue avec mes potes par contre, là ça y est, je gagne et tout. Oui, oui. Ok, c'est bon, vous avez fini? Ouais. Et bah mettez vos ardoises ici. À l'envers? À l'envers bien évidemment, sinon je vois ce que vous avez écrit. Celle-là j'espère que tu l'as notée, hein, elle est bien. Ok les gars, la première. Le premier qui a la chaise gagne. Non, qui a la chaise, qui a la chiasse. Ah, chiasse, putain. C'est drôle ça, je suis dyslexique et alors? Le premier qui a la chiasse gagne. Ok, non mais on prend. C'est marrant. Ça passe. Donc il est parti sur un titre de vidéo YouTube. On veut des mineurs, surtout le petit roux. Oh merde, ok. Qui a écrit ça, wesh? La vidéo, elle déraille totalement. Qui a écrit ça, les gars? Non, mais je sais pas c'est qui a marqué ça. La personne voulait dire, on veut jouer au dé mineur. Ah, mais en plus, regarde, avec la tête de Ramon, ça passe trop bien. Je sais pas vous, mais le petit roux, ça vient bien d'Anthony, ça. Frère, ça y est. Mais gros, mec, tu verras, tu vas reconnaître la mienne. Vas-y, tu vas voir. Toi, c'est bizarre. Toi, c'est, pourquoi c'est tu dis ça? C'est sûr. Non, moi, j'aurais eu c'est lui, moi, c'est sûr, c'est lui, c'est sûr. Quand YouTube s'arrêtera et qu'il ne restera plus que nous mourir à manger. C'est marrant, mais un peu long. Souvent, quand c'est long, du coup, ça enlève un peu le. Mais c'est drôle, j'aime bien. Bah, rien de plus à dire. Ouais, mais personne n'a parlé à part moi et toi. Hein. Franchement, dégustation de sandwich au caca en famille, ça tourne mal. Tout le monde a parlé de caca. Non, qui a mis ça, s'il vous plaît? Vraiment pitié, qui a fait ça? 1. 2, 3, 4. C'est le sortie, vous t'avez fait rire, je sais pas c'est qui. Non, c'est la 1. C'est qui le 1? Donc la chiasse gagne. Alors, j'ai vraiment pris parmi le moins pire. Trop le seum. Let's go! Victoire! 2 points! Ah, c'est nul. Tu dis c'est nul, mais t'as choisi lui. Mais je regrette. D'ailleurs, je viens de penser, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, merci. Ok les gars, c'est maintenant. Oh, il est sur la montagne. Inox Tag! C'est les vrais, Inox Tag! Mais mec. C'est l'Everest. Wesh. Ouais, direct. Ok les gars, c'est parti. Oh, c'est dur. Oh, j'ai une idée. Oh, moi j'ai été inspiré de baiser. L'inspiration, elle est venue. Ouf. Ok les gars, c'est terminé. Ouais, de fou là. C'est fini. Allez. Ça, en cours, c'est zéro. Pardon, ok. Allez Inox. Allez Inox Flak. Let's go. Arrêtez d'être méchant comme ça avec les comédiens. Ok, c'est à vous. Eh hey, mec, c'est pas l'Everest? M'en bats les couilles, frère. Oh, oh, c'est incroyable. Oh, le génie. Imagine. En fait, moi, je m'imagine vraiment Inox, il arrive. Il est vraiment presque à l'Everest. Ah, surtout ouais, qu'il l'a très bien fait. Hein. Ouais. M'en bats les couilles, frère. Eh, mais mec, c'est pas l'Everest? Oui, je vais le monter demain et la démonter comme ta mère. Oh non, les gars. Okay. Les darons, attention. Hein. C'est lui. Regarde comment il est. Oh, c'est ça. Maman. Ouais. Ah, mais ce sera pas l'Everest. Elle est attends, mais c'est ça? Non, mais c'est bon, c'est ça. C'est bon, c'est ça.
Mec, c'est pas l'Everest? Non, c'est le bruit de ta sœur, bien sûr que c'est l'Everest, tu es d'alpiniste. Oh là. Non, mais ouais, c'est qui est vénère comme ça? Eh, Timout, il est vénère. Moi, trop violent, ça me prend pas. Mec, c'est pas l'Everest? Oui, c'est l'Everest, Tarley Wandowski. Ça, c'est Anto. La vie de ma mère que non. Non, c'est pas moi qui ai écrit ça. Regarde, il rigole même pas, on dirait qu'il a envie de se barrer. 1, 2, 3. Quoi? Moi j'ai voté la 4. Moi la 1. Non, on est d'accord, la 1 les gars. La lune elle était légendaire. Qui a fait cette masterclass de fou là? Qui a fait la lune? Qui a fait cette masterclass? C'est toi, bâtard? C'est moi. En vrai tu nous as vu. En vrai j'ai bien aimé. Surtout que tu l'as très bien joué, j'ai adoré le. Bon bah les couilles frère. Mais c'est vrai que moi j'ai mis la 3. Qui a mis la 3? Très drôle. Ouais. Bien aimé. Comme dans le jeu encore une fois, complétez la phrase. Cette fois-ci ce sera pas une scène qu'on va voir devant nous, mais cette fois-ci ça va être un texte à compléter. Alors, un titre de vidéo YouTube qui pourrait être un titre de film. Finalement. Oui. Ah, donc un peu le jeu titre quand tu fais avec tes potes là. Non mais gros, c'est pas un titre là qu'ils font. Les gars, c'est pas... Oh, ça va là, oh. Ils sont en train d'écrire le script de la vidéo, ouais. 3, 2, 1, c'est terminé. Ah bah non, regarde. T'allais montrer. 24 heures pour fabriquer une pièce secrète dans ma meuf. Une PS5 MDR, lol. Le premier qui finit gagne. En famille. Quoi? Ah, ok, qui finit... Ah oui, ok. Ok. Le dernier qui sort du trou de... gagne 500 000 dollars. Mais ouais, le Mr Beat. Wow. Mr Beat incroyable. Mr Beat incroyable. Mais attends, mais plus de points, c'est très fort ça. 24 heures menottée avec ta mère. Elle s'est parenthèse. Vas-y, Anto, fini, hein. T'allais parler, mais t'as rien dit. Non, mais. Tu veux encore la défendre? Non. C'est la tienne, celle-là? Tout le monde, je défends tout le monde. Ça, c'est du Anto tout craché, ça. Wesh. Allez, 1, 2, 3. Vous avez voté quoi? Moi, j'ai mis 1. Moi, la 1, j'ai bien aimé. Moi aussi, la 1, j'ai bien aimé. Raven. Ouais. 24 heures pour fabriquer une pièce secrète dans la meuf. Et j'avais fait une miniature, elle était cool. Très drôle. Je me suis projeté dans la vidéo, je me dis putain, l'intro et tout, incroyable. Moi aussi, j'ai voté la 1 parce que, bah, vraiment, elle est très, très, très cool, le titre. Et j'ai envie de voir la vidéo. Scoop de street. Le premier qui finit gagne. Oh là là, mais j'ai trop de victoires. Qui a voté? Attends. Oh là là. Moi j'ai voté pour ça en plus, j'ai trop la haine, frère. Vous avez voté ça les gars? Timout. Le dernier qui sort du trou. Chat gagne. Ouais, mec, elle était vulgaire. Ouais. Là c'est vraiment, c'est trop vulgaire là. Oh, depuis le début en fait, Timout il joue la vulgarisation, mais totale. Moi j'aime bien, c'est mon humour, mais là je sais pas. J'ai préféré la PS5 dans la... Voilà, ça c'est du Anto, voilà. 4 heures menottée avec ta mère. En fait, je vois trop la mini, elle est incroyable. Bah oui. Tu sais, tu vois sa mère comme ça? Ah, ça me dit. Alors, c'est la mère de l'un d'entre nous, mais je vais pas le dire. Ok, bah les gars. Niquer ta race. Quoi? Tu te sens visé? Non. Pas du tout. Ok. Du coup, égalité entre Scoot et Raven. Ah, et bah les gars, c'est parti. On va encore créer ton sous-titre, et cette fois-ci avec les comédiens. Et voici comment on exécute le théorème de Pythagore. On s'en bat les couilles. Hier, je suis tombé sur un youtubeur, mec, il était trop drôle. Par contre, je suis incapable de me souvenir de son nom. C'est, je sais pas, c'est... Ah, je vois de qui tu parles. Moi aussi, je me souviens plus de son nom. Ouah, c'est chaud. Ok. Ouah, mais là, on n'a pas de... En fait, on n'a pas beaucoup de matière. Ouais, il n'y a pas trop de matière. Hein. Pas de matière, il n'y a pas de... En gros, il parle d'un youtubeur qu'il aime bien. Ouais. Ouais, mais on a rien. Stop, allez, 3, 2, 1, c'est terminé. Ah là là, les gars. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Non, je suis pas fier de moi. Je suis mitigé aussi. Moi, franchement, c'est soit ça passe, soit ça casse. Moi aussi, c'est exactement pareil. Moi, soit c'est de la merde, soit c'est de la merde. Moi, ça me fait rire, mais vous, je sais pas. C'est parti. Oh, je stresse comme un enfant. Oh, allez, j'ai trop excité. Attends, mais tu sais que même moi, je suis un peu stressé. Hein. Ouais, moi aussi. Ok. Et voici comment on applique le théorème de Pythagore. En fait, hier, j'ai découvert un youtubeur, mais alors il est trop drôle. Alors par contre, je me souviens pas du tout de son nom, tu vois. Ouais, je vois de qui tu parles. Moi non plus, j'ai plus son nom. Ah si, je sais. C'est Michel Drucker Gaming. Bon, pas ouf. C'est qui? Enfin non, pas c'est qui a écrit ça, mais il existe vraiment le mec? C'est qui, Michel Drucker? Ah non, ok, j'avais pas compris. J'avais pas compris. Ok, c'est bon, ok, je l'ai, c'est bon. De base, je voulais marquer Patrick Sébastien. Je me suis dit, c'est nul. Ah, mais c'est toi, du coup? Non, c'est pas moi. Il s'est fait cramer. Non, mais non. Je l'ai retiré parce que je trouvais ça nul, mais c'est dans le même délire. C'est pas moi. Crois-moi pas, je me bats les couilles. Ok, on passe à la deuxième. Et voici comment on applique le théorème de Pythagore. Hier, je suis tombé sur un youtubeur, mec. Il m'a trop fait rigoler. Je te jure, il est trop drôle. Par contre, je me souviens pas du tout de son nom. Ouais, je vois qui c'est. Moi non plus, j'ai plus son nom. Ah ouais, c'est le Z et il a créé une chaîne de React. Oh non, ils ont pas fait ça. Qui a fait ça? Attends, c'est quoi, c'est le Z? Le Z, Eric Zemmour? Je
pense que c'est ça. Ah bah ça doit être ça. Mais de toute façon, il y en a un des trois qui sait très bien vu que c'est lui qui l'a noté. Qui sait qui vote le Zen ici? Ouais, ça. Ah, on va voir, on va voir. Qui vote le Zen? Qui vote le Zen? Bah, troisième, vous êtes prêts? Oui. Allez. Et voici comment on applique le théorème de Pythagore. On s'en branle. Mec, hier je suis tombé sur une chaîne YouTube. Le mec, il m'a trop fait rigoler. Je te jure, il est trop trop drôle. Par contre, j'ai carrément oublié son nom, tu vois. Ah, mais je vois qui c'est. Et moi non plus, j'ai plus son nom, là. Allez, oui. Elle est petite. Non. Non, c'est pas possible. Oh là là. Ça va être bippé. Ça va être bippé de malade. Non, mais c'est pas fini, hein, les gars. C'est pas fini, les gars. Oh, le strike. Oh, le strike de la chaîne. Oh. Et voici comment on applique le théorème de Pythagore. Ah, c'est bien, on s'en fout. On s'en fout parce que, en fait, hier, je suis tombé sur une chaîne d'un youtubeur, mec, ça m'a trop fait rigoler. Par contre, j'arrive pas à me souvenir du nom du mec, quoi, en fait. C'est. Ouais, je vois qui c'est. Et moi non plus, j'ai plus son nom. Ah, si, ça y est, putain. C'est. Ou la vie d'un youtubeur. Fou, en fait, il est en tôle. Ouais. T'as eu deux fois la même idée, ça, c'est fort quand même. Et tout ce qu'on a écrit sur ce petit tableau là, c'est pour rire. On ne pense pas à ce qu'on a écrit. C'est que pour la DERCA. C'est que pour rire. La DERCA. C'est une vidéo humour. Et sponsorisée par Dice Dreams. Par contre, les gars, les trucs sont. En fait, je viens de dire que c'est pour rire, mais il n'y a rien de drôle en fait, c'est pas bien. Ok, bah on va voter. Ok, 3, 2, 1. On a tous un choix différent. C'est insane, les gars. On a tous un choix différent. 1, 2, 3, 4. Le J, c'est le 2. Mais y'en a, c'est des mythos, là. Non, j'ai mis le J, c'est le Z. Le J, c'est le Z. Bon, bah, il est temps de savoir c'était à qui les vannes. On sait que le Z, c'était lui. Moi, c'était la première. Michel Drucker Gaming. Moi, c'était. Elle est petite. Mais. T'es un bâtard. Et bah, du coup, tout le monde a un point. Tout le monde a un point, les gars, là. Hein. Oh, c'était trash. Ok, trouve un titre à cette image. Comme tout à l'heure, il y a une image. Oui. On l'a décrit. Oui, capitaine. Ah les gars, oh c'est... Oh, je viens de voir le Lox en fait. Ok, donc le Lox les gars, c'est bah, mon studio. Donc ça représente moi en fait, j'imagine, ou juste un mec qui a un t-shirt Lox. Ah. Ok les gars, stop. Inspiré ou pas les gars? J'ai vraiment marqué de la... j'ai marqué de la merde. Là, ça va être centré sur Anthony là. Non Anthony, tu vas prendre cher. Même moi, je me suis taillé frérot. Ok les gars, on pose. Allez, c'est parti, on découvre du coup qu'est-ce qu'on a écrit à cette image. Super drôle. Non mais y'a rien écrit là. La chute d'Anthony après celle de sa chaîne YouTube. Ah non désolé, jamais monté. Oh ah, c'est bâtard. Oh, les bâtards. Il n'y a qu'un seul qui a pu écrire ça. Je pense que je sais. Tu te crêpes, ça va Anthony Priolo? Tu te crêpes? Crêpes waouh. Ah t'as quand tu crêpes waouh. Mais ouais, c'est quoi ça? Ah merde. C'est tuto. Oui, il a écrit tu te crêpes. Il a tué sa vanne. Il a tué sa vanne. Quand Sarah me dit qu'il n'y a personne, ça peut être moi, ça aussi. Donc c'est ma meuf. Par contre, tu ferais gaffe parce que le Sarah avec un H à la fin, c'est ma mère et le Sarah sans H, c'est ma copine. Donc là, tu parles de ma mère là. Pourquoi tu me regardes moi? Je sais pas, t'étais à côté de moi, je sais pas. C'est toi qui écris ça? Non. Si. J'en ai marre, je fais plus de stats, c'est ça. Au final, ça rejoint le tuto crêpe. Hein. Ouais, c'est pas faux. 1, 2, 3. 3, et moi j'ai voté la 3. Moi j'ai mis la 1. Oh putain, je suis le seul qui a mis. Ah, parce que c'était toute la mienne. Dis d'abord la phrase et attends, la chute d'Anthony. C'est qui ça? J'aimerais bien savoir. Il a voté pour moi. Ah donc, c'est là que c'était un peu drôle. Ah donc t'es en accord avec ce qu'il dit? Mais c'est pas moi. Oui mais t'as voté lui. T'as voté 1. Ah oui c'est la meilleure ouais. Merde. Bon moi le 3 prend de l'avance hein. Ok les gars oh nouvelle scène Oh. Et c'est le youtubeur Anthony Priolo. Hey. Hey. C'est toi Anthony Priolo? Ouais pourquoi? Oh la vache. Oh, les pattes, encore sans ma gueule. Ceux qui comprennent pas, c'est mon concept TikTok, je vous l'apporte tous les jours jusqu'à y voir. Tu te sens obligé de leur dire, alors qu'on le voit tous les jours sur TikTok? K.O. pour ceux qui viennent de me découvrir. 3, 2, 1. Ah, mais c'est trop petit. Attends, j'écris trop petit. Allez, moi, j'ai hâte de voir la petite scène. Ça me fait rire, c'est vraiment toi. À sauter. Hey. Hey. C'est toi, Anthony Priolo? Ouais, pourquoi? Coupé. Oh non. En vrai, c'est. C'est quoi celui qui a voté? Celui qui a mis ça, je vote pas. Non. L'année dernière, je vote pas. Le simple, efficace. Alors, moi, par contre, ça me fait rire. Hey! Hey! T'es pas Anthony Priolo? Ouais, pourquoi? Ah, t'es un putain de gros forceur, toi! Vas-y, rends tout le monde là! Rends les abonnés là! FDP, va! Imagine vraiment, ça m'arrive.
FDP à la fin, mon rêve. Mon rêve. Comment ça, ton rêve? Hein? Hein? Hey, hey. C'est pas toi, Anthony Priolo? Ouais, pourquoi? Bon, bah alors, tu sais quoi? Tu vas nous rendre tout de suite les abonnés que tu nous as piqués à cause de la TR, là, ok? Tu me les rends tout de suite, là! T'as compris? C'est super drôle. J'ai pas la rêve de la TR. La TR, c'est l'équilibre sur les mains. Oui, mais bah, qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas, moi qui ai écrit ça, tu me demandes ça à moi comme si j'avais écrit. Mais c'est, y a eu quoi, la TR? J'ai pas compris la TR, donc. Ouais, en fait, je sais que c'est un ATR, mais pourquoi la TR? Hey, hey! Hey, mais attends, c'est pas toi, Anthony Priolo? Ouais, pourquoi? Ah, en fait, c'est toi qui es un peu le sosie et tout, mais t'es le pote d'Inox. C'est ça? Bon, franchement, tes vidéos, elles sont pas très ouf, mais sinon, quand est-ce que t'en fais une vraie, là? Tu sais, avec Michou? Voilà. Je ne dirai pas de qui ça vient. Mais en fait, là, celui qui a mis... Non, mais attendez, il y a un problème, là. En fait, celui qui a mis ça, vraiment, il en avait gros sur la patate sur Worm, là. Je pense que c'est un bâtard, le dernier qui l'a. Mais attends, écoute-moi bien, si c'est encore Antoine... Il est viré. Il est viré de ma vie. C'est sûr, c'est lui. T'es pas obligé de dire des vérités là. Faut être drôle. Le dernier c'était même pas drôle, c'était juste une vérité de quelqu'un en fait. C'est ça qui me fout la haine en fait. Allez, 3, j'ai envie de savoir moi là. Qui a mis ça là? Allez, 1, 2, 3. J'ai mis 1 juste parce que j'ai pas envie de voter pour le 4, c'est mort. Oh, oh là là, 2 points en plus. Mais attends, je crois que c'est une victoire là dans la vidéo là. Du coup là tu vas savoir qui est la 4 entre les deux. En vrai, je dis la 4. Ouais, je dis la 4. Timon. C'est pas moi, frérot. Frérot, j'ai été gentil, j'ai dit Koubé. C'est vraiment un bâtard. Et moi, en fait, je suis con parce que pour la terre, en fait, c'était le salto que je voulais mettre, sauf que j'avais oublié que c'était le... Ah, merde. Du coup, je me suis dit, je vais faire genre le live, mais je suis deg. Mais oui, je suis deg. Bah, c'est quand on va même pas en parler, on en parlera après le tournage. En off. Bon bah il y a une amitié qui vient d'être... Bon, en tout cas ce qui est cool c'est qu'à chaque fois vous rigolez très bien sur mes vannes mais personne ne vote. Ouais personne. Si je l'ai voté, elle était drôle. Toi t'es grave mon pote, et toi c'est des collègues. Ok les gars vous êtes prêts? Cette image. Trouve un titre à tes 10 images. Anto je vais te défoncer. J'espérais vraiment que les gens oublient cette vidéo. Donc là juste pour un peu vous dire ce qui s'est passé, on avait tous craché sur la table un molar. Non non. Et il a aspiré tous les molars de tout le monde. Non c'est pas une vanne. Il rigole c'est son titre. Tout de suite, petit extrait. Faut pas l'oublier ça les gars. Hein. Pas vrai, il est mytho. Non. T'es vraiment une merde. T'es vraiment une grosse merde. Stop. Stop les gars. C'est bon, j'ai fini. Cette vidéo sera supprimée dans 24 heures. Ah non les gars, ah, franchement. 0 sur 20, 0 sur 20, ça 0. Hashtag nul. Quand ta vidéo est 10 sur 10 et qu'il te reste plus que des miettes pour graille. Pas mal, les gars, 10 sur 10, ça va vraiment dire que ta vidéo elle marche pas en fait. Ok, allez, pas mal. Troisième. Antoine, allez. Après que Philippe Cantenot ait léché la sauce Michi sur la table. Wesh. Je crois qu'il y a des mots, je ne comprends. Alors Philippe, pas. C'est un pote à Antoine qui fait du BMX. Alors déjà, je sais qui a marqué ça, parce qu'il y en a qu'un seul qui connaît Philippe. Alors moi, je le connais. Dans la salle. Je le connais aussi, mais c'est pas moi qui ai écrit ça. En tout cas, je vais l'appeler parce qu'il faut que t'as son nom. POV quand maman a des pertes. Oh, elle est hard. Oh, elle est sale. Moi, bon, bah, ok, maman. Pourquoi t'as dit maman? C'est le mot maman qui l'a fait rire. Je crois qu'on est fatigué. 1, 2, 3. Ouais, il y a 3 fois 2 et une 5. Bah, attends, je savais pas. Non, t'es obligé de voter un truc. Okay, ah, mais du coup, bah, ça fait 2. Attends, il a fait ça. Non, non, trop tard, il a écrit, c'est trop tard. Fais 1. C'est trop tard, non, c'est trop tard, arrêtez. 4. Bon, la première, c'était qui? Scoop de bite. Même mon charme est prendre une scoot de bite. Ça, tu vois, c'est con. Non, mais en fait, ce qui me blesse réellement, c'est qu'il a réellement pas fait gaffe en fait. C'est qu'il l'a vraiment en tête. Ça veut dire que t'es vraiment en train de lui dire ça tous les jours. C'est la mine de ma mère, c'est pas moi qui lui dis ça. Tout seul, par lui-même. Ouais, je te jure, c'était vraiment lui le premier à dire. Jérôme aussi. La deuxième, c'était quoi et qui? Ok, la deuxième, 10 sur 10. Putain, j'ai voté ça, merde. J'ai 3 fois 2. Ouais. Ah, trop bien. Ok, la troisième, avec Philippe. Ok, Philippe qui a la sauce Michi, c'était... Ouais, c'est un flow. C'était toi. C'est vraiment le sperme. Ouais, ok. Ok. Et c'est qui, maman, ses pertes? C'était moi. Moi, ce que j'ai mis, c'était trash un peu aussi. Ouais, trop même. Du coup, ça perle drôle. Ouais, franchement, pas ouf. Ok, les gars, vous êtes prêts? Ouais, allez. Let's go. Putain, je sais pas quoi faire. Ouf. J'ai bien une idée, hein, mais... Ouais, c'est quoi? Ok, c'est bon, allez. Les gars, 3, 2, 1, stop. Allez, on pose les ardoises. Alors moi, ça passe ou ça casse, hein, vraiment. Moi, je sais pas quoi faire. Oh, tu sais, moi j'ai bien une idée, hein, mais... Ouais, quoi? Miaou. Oui, t'es brave.
Il a dit quoi, j'ai pas entendu. Miaou. Deuxième scène. Je sais pas quoi faire. Moi, tu sais, j'ai bien une idée, hein, mais... Ouais, quoi. Oh, les gars, ici... Oh. Oh non, c'est une blague. Ah oui. Oh. J'ai envie de partir. Anto, j'ai envie de partir. Laisse-moi partir, je t'en supplie. Je t'en supplie. Qui a écrit ça? C'est cringe, putain. Mais je crois qu'on est tous partis sur le même délire. Mec, c'était un open bar aussi. Oh, je sais pas quoi faire. Tu sais, moi j'ai bien une idée, hein, mais... Ouais, quoi? Je vous... Non. Avec ma bouche. Waouh. Ok, celle-ci elle était lourde et il paraît qu'après c'est encore pire. Donc là c'est la dernière. Donc là on passe à la dernière là. Eh, c'est chaud, hein, franchement c'est... Putain, je sais pas quoi faire. Waouh, j'ai bien une idée, hein, mais... Ouais, quoi? On peut aller observer les poissons dans la rivière. Ouais, ou je peux aussi te les mettre. Non. Ok. Ah la vache. Mais il y va à fond, mec. Moi, j'avoue, en fait, j'ai tellement rigolé sur celle d'avant que là, là du coup, là, j'arrivais plus. 1, 2, 3. Putain, mais les gars, je suis trop fort, c'était moi, là, 2. Eh ben, les gars, on peut les applaudir, ils ont trop bien joué. Bravo. Merci. Merci, les gars. Merci beaucoup d'être venus et vous avez assuré tous les trois. Ça quand même. Oui. Bon les gars, annonce du gagnant. Qui est le plus nul, le plus guest de la vidéo? Kimout. Félicitations. Félicitations. J'ai quelque chose à dire, c'est tous des racistes ici. Y'a aucun rapport mais que t'es juste nul. Qui est le troisième? Anthony. Félicitations Anthony. Tu m'applaudis s'il te plaît? Non. Les gars, maintenant, non. Qui est le plus drôle de cette vidéo? À un point près. Oh, Scoop the Street. Je sais même pas comment j'ai fait pour gagner cette vidéo. Même lui, c'est pas vrai. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à vous, les gars. Vous avez kiffé la vidéo ou pas? Ouais. Non, en vrai, oui. C'était plutôt marrant. C'était ouais, un peu drôle. Donc là, on finit comme ça sur une vidéo comme ça, là. Ouais. Et bah, vous ne pouvez pas retrouver les liens de leur chaîne en description. Et dites-moi si vous voulez voir un épisode 2. Et merci encore d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et à la prochaine vidéo avec McFly et Kaito. Buscavita. Il y a tout qui se mélange. Hasta la vista. Clap bonjour. Double tchao. Et moi, je vais voir Sarah. Ah, j'ai chié dessus! Fais chier! Abonnez-vous, bisous les refs. Putain, attends, je voulais voir la suite moi. Non. Hein?